Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée de championnat de N1 entre le CEP Lorient, Brest Basket et le Pôle France. Troisième journée de cette deuxième phase. Troisième journée capitale pour nos joueurs lorientais. Nos joueurs lorientais qui reçoivent ce soir l'INSEP, les gros potentiels du basket français emmenés par leur jeune prospect Nolan Traoré notamment. Côté lorientais, on reste sur deux défaites sur ces deux premiers matchs de la deuxième phase, notamment une vilaine claque de 30 unités du côté de First qui fait mal au crâne. Du coup, on n'a pas le choix ce soir, c'est win or go home, clairement. Donc du coup, la victoire est indispensable. Au niveau des effectifs lorientais, On notera l'absence de Jordan Williams et le retour de notre ami américano-haïtien David Jean-Baptiste qui, après 4 ou 5 mois sur le banc, au frais et revient dans l'effectif. Du côté du Pôle France, on notera l'absence du très très jeune prospect Nathan Soliman. Nathan Soliman, l'ancien joueur de l'Hermine de Nantes, du haut de ses 14 ans, n'est pas là ce soir. Et c'est bien dommage, car c'est vraiment l'un des futurs du basket français. Ça aurait été un gros, gros plaisir de le voir. Allez, supporters lorientais, supporters de la BBR. Bienvenue Stéphane. Vous n'hésitez pas à commenter le chat, à vous donner vos impressions, à me corriger sur les noms, sur des anecdotes. Et n'hésitez pas à venir échanger avec moi, car ce soir je suis tout seul. Nathan est pris par ses obligations professionnelles, notamment. Du coup, c'est avec un grand plaisir que j'aurai un œil sur le chat pour pouvoir échanger avec vous comme on en a l'habitude. On va pas se mentir, hein, supporters lorientais, on sait que ce soir on a le couteau sous la gorge. On sort d'une très très mauvaise prestation dans le Forez. Et que la victoire est indispensable ce soir. Du haut de nos 3 victoires et 5 défaites dans le bilan dans ce championnat de la 3ème phase, on est à l'avant-dernière position. Le Pôle France est juste au-dessus avec 3 victoires et 6 défaites. Ils ont un match de plus. Ils ont un match de plus car ils ont joué mardi contre Poissy. Ils se sont inclinés d'une fort belle manière, si on peut le dire, je crois, de 13 points. Donc voilà, plutôt une perf tout à fait honnête pour ces jeunes gamins de 14, 15, 16, 17 ans. Donc du coup, c'est une équipe à prendre très très au sérieux, sûrement très athlétique, très portée vers le scoring, un peu moins sur la défense. Mais attention à ne pas les laisser prendre feu. Et on se rappelle de l'expérience de l'année dernière où Ahmed Doumbia nous avait sorti un tir Ave Maria du milieu du terrain pour ne pas perdre et arracher la prolongation. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et donc voilà, on sait ce qui nous attend. On sait que la tâche ne va pas être facile. On n'est pas bien. On a la tête sous l'eau. Et on va tenter de réagir. Salut Alex Monet. Je sais que tu es régulièrement sur le chat. Salut à toi. N'hésite pas à donner tes impressions. Ce sera un grand plaisir que je les relayerai et qu'on peut échanger. Voilà, sur du côté du 5 lorientais, nous avons Hugo Suard, Abdoulaye Sy, Mathieu Robin, Jamar Abrams et Pape Bey. Du côté du Pôle France, je vais vous dire ça tout de suite, une fois que j'aurai réglé 2-3 petites bricoles. Hop, voilà, du côté du Pôle France, nous avons Soula Diakité, Alar, Boulefa et Kwaku. Ça veut dire que Traoré commence sur le banc. Here we go, c'est parti. Et le premier ballon fuit les mains du Pôle France et sera rendu directement à Abdoulaye Sy. Alors, petite chambrée ce soir, hein, du côté du Palais des Sports de Kervarik. Les tribunes sont un petit peu clairsemées, mais on peut compter sur les supporters lorientais pour pousser sa team. Allez, premier pied, ça défend déjà très très fort. Hugo Suard a repoussé derrière la ligne à 3 points. On va trouver Pape Bey. Ça tourne autour.
Et le premier rebond, la relance de Soulac. Voilà, c'est très académique, hein, le Pôle France, évidemment. Les plays sont parfaitement travaillés, comme on peut s'imaginer sur une équipe de jeunes. C'est précis. Et ça vient driver. Ça en met trop. Ça trouve la planche. Et le rebond de Jamar Abraham. Si on repart de l'autre côté avec Hugo Suard. Le pic en transition de Pape Bey qui demande le ballon en dessous. Mais l'interception. Et bingo! Le premier dunk de Yimga. Non, pardon, excusez-moi, de Mohamed Diakité. Le premier dunk. Et on voit l'explosivité, hein, de ces jeunes paulistes. On a vu là très, très présent sur les lignes de passe et capable d'exploser et de monter très vite au cercle. 2-0 pour le Pôle France et qui récupère la balle après ce ballon perdu. Et bonne défense, très bonne défense de Mathieu Robin sur cette mauvaise passe d'Allard. Allez, il faut vite se mettre en confiance. Vite trouver les premières solutions pour pas. On sait qu'on est dans une mauvaise passe, la confiance n'est pas là. Donc à nous d'aller chercher rapidement les premiers paniers. Voilà Jamar Abrams qui vient dans le trafic. Et la consigne semble claire. On va aller fighter tout ça. Et c'est sûr que physiquement, le Pôle France va être. Sur 40 minutes, ça va être compliqué pour eux de tenir. Et à nous d'aller. D'aller chercher les fautes, d'aller matraquer en dessous. On sait que la différence souvent se fait sur cet aspect du jeu quand on joue contre le Pôle France. Et à nous de mettre les bons ingrédients. Allez, la touche côté, Mathieu Robin qui trouve pas de belle, on vient vite trapper. Bien ressorti, Hugo Suard qui trouve bien Marabra. 3 points, le ballon est bloqué, c'est raté. Très très bonne défense, on a vu, on vient tout de suite trapper sur le poste bas. On a oublié de présenter, hein, le coach Lamine Kébé, assisté de l'éternel Bernard Faure, légende du basket français en termes de coaching. Il est là depuis de nombreuses années sur les équipes de jeunes et voilà, c'est une vraie référence. Et Lamine Kébé qui fait du très très bon travail depuis 2-3 ans, qui a pris la suite de Toupane et qui permet à ces jeunes pousses de faire vraiment du travail de qualité. C'est trop long. Le gros rebond de Kwaku Ege. Diakité, Allard. Allard, on vient sortir fort. Oh, c'était limite. Mais non, c'est pas sifflé. Et les deux points au buzzer de Soulac. 4-0 pour le Pôle France. Voilà, Hugo Suard qui essaye de mettre du rip. Et le 2+1. Très bien joué, Hugo Suard. Lamine Kébé, pas content là après cette prestation défensive là sur après ce panier marqué. On demande sûrement de stopper la balle, d'empêcher Hugo Suard, hein, le spécialiste du jeu de 3-3, de mettre du rip et de pouvoir traverser tout le terrain de cette façon. Et il est sur la ligne pour la première fois du match. C'est raté. Nouveau rebond de Kwaku Ege. Ou Kwaku Ege. Allez, le play du Pôle France. Diakité. Soulac, qu'on voit beaucoup en ce début de match. Est-ce qu'on va réussir à trouver Boulefa en dessous? Non, dans le trafic. Et la faute sur Allard. C'est la faute de Mathieu Robin. C'est sa première du match. Première faute collective. Et Allard se retrouve sur la ligne des lancers francs pour la première fois du match à son tour. Ouais, je l'ai noté, Alex. Hein, Alex Monet, ouais, je sais que tu es là à chaque fois. Je sais que tu n'hésites pas à donner ton opinion. Partager, non partager, peu importe. Mais c'est assez important que chacun s'exprime sur ses émotions, ses sentiments à propos de cette équipe du CEP Lorient-Brest Basket en grande difficulté dans ce championnat, on le sait. Et 5-2 pour le Pôle France. Ah bah Ja, tu poses une bonne question. Vers qui faut-il se diriger pour intégrer la Prénat? Et bah tu as ton homme, n'hésite pas à venir me contacter et je te donnerai plus d'informations. Ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésite pas à me contacter.
n'hésite pas à venir à revenir vers moi, Ja. En attendant, on se retourne vers le match. On se retourne vers le match, vers le game. Lorient qui peine un peu à trouver des solutions là. On est en difficulté, ça défend très très bien. Après ce que j'avais dit, hein, ils me contredisent. Ça passe en dessous, ça garde. Voilà, c'est la petite faute de Soulac. Non, ça n'a pas été sifflé. Hugo Suard qui rate, Soulac qui relance, qui va chercher Abraham. C'est 2 points. Très très bien joué au niveau en termes de technique. Très très bien joué de la part de Soulac qui fait un très gros début de match. Soulac, le deuxième marqueur de son équipe. Mathieu Robin qui relance Hugo Suard, le pic à 45, Pape Bey, l'extra passe sur Jamar Abrams, et il va chercher la faute, et le 2 plus 1. Ouh, le gros tir, beaucoup de réussite, certes, mais le gros tir. Max, t'as raison, Fabio Milanese n'est pas parmi nous non plus. Je ne vois pas sur le banc, tu as bien raison, merci de me l'avoir signalé. Alors pour tout vous cacher, hein, je suis au club, je n'ai pas toutes les informations. Je découvre un peu avec vous. Et là, ce soir, je vois que j'ai constaté l'absence de Jordan Williams et de Fabio Milanese, en effet. Allez, 7-5. On va chercher Diakité. Gros travail de Kwaku Ege qui fait beaucoup d'écran. Alors vraiment un travail de l'ombre. Tandis que Mbogu Monanga est rentré. Soulac à nouveau. Oh, la belle passe. Très bien joué. 4 secondes sur la possession. Ah, il n'a pas vu le chrono. Il se le monte. C'est trop long. Et Abdoulaye Sy au rebond. La contre-attaque. Abrams. Abdoulaye Sy. Et le mauvais passe, nouveau ballon perdu du CEP Lorient. On sait que la semaine dernière, contre Feur, ça a été un dépêché mignon. Et là, on est sur un troisième ballon perdu en 4 minutes, c'est beaucoup trop. Alors, déjà, t'hésites pas à mettre ton adresse mail et je te contacterai. Mets-moi ton mail sur le chat et je te contacte. Allez, on est reparti du côté du Pôle France. Voilà, on voit beaucoup de flair pick, c'est très bien joué, c'est très académique, je le répète. Le tir un petit peu difficile, un petit peu forcé. Et le rebond de Abdoulaye Sy. Hugo Suard qui vient provoquer la faute. Non, c'est lui qui vient. L'arbitre estime qu'il a enroulé son défenseur. Et du coup, ça sera une faute offensive. Sifflé contre notre ami Hugo Suard. Morgan Benlou, pas en accord avec ce coup de sifflet. Il lui fait signe à monsieur l'arbitre. Et tandis que donc c'est la quatrième balle perdue pour le CEP Lorient. Voilà notre péché mignon, je répète. Et qui donne des munitions au Pôle France. Bien joué. On a retrouvé en dessous la faute. Bien provoqué. Très très bien provoqué de la part de Mbokolo Munanga. Vous me pardonnerez la prononciation si je me trompe. Mais très belle entrée de ce jeune joueur. Et qui a fait sauter Jamar Abrams. Et qui a provoqué les deux lancers francs. Le Pôle France qui est dans la pénalité. Et nous, c'est notre troisième faute collective. Tandis que Kevin Mondésir va remplacer Jamar Abrams. Et du côté du Pôle France, Nolan Traoré, le prospect numéro 1 de sa catégorie d'âge, fait son entrée sur le terrain. Nolan Traoré qui est demandé déjà par de nombreux clubs professionnels, que ce soit Pro B, Pro A, qui tourne autour de 16 points, 17 points par match. Vraiment un énorme profil, un énorme potentiel. S'il fait les choses bien, il pourrait se rendre une carrière très très agréable. Allez, 9-5, le Pôle France qui fait la concentraine sur ce premier carton. Et Hugo Suard qui relance. Le main à main bien défendu par Allard, qui repousse très loin Mathieu Robin. Le bon écran de Pape Bey. Mathieu Robin, oh, très bien joué là dans la baseline. Kevin Mondésir qui a bien coupé. Très belle relation entre les deux joueurs. Et 2 points de Kevin Mondésir. 9-7.
Allez, Traoré dans sa première action, le step back. Oh, il y a joueur, messieurs. Il y a joueur, messieurs. Ça se voit tout de suite, ça se voit tout de suite dans, ce, dans son toucher, dans sa manière de contrôler son corps. Très, très bien joué de Nolan Traoré, mais qui fait sa première faute. 11 à 7, on n'arrive pas à stopper, on n'arrive pas à faire des stops hein, côté, côté Lorientais. Et discussion entre Lamine Kabé et Kwaku Hug. Et tandis que... Tandis que... Ah, je ne vois pas... Excusez-moi. C'est Élisée Vanero, pardon. C'est Claudien qui va faire son entrée. Sûrement à la place... À la place d'Hugo Suard qui est au lancer franc. Et le deuxième est raté. Le premier, pardon, est raté. Le deuxième du match est raté pour lui. Allez, Hugo, on a besoin de toi. On a besoin de ton adresse. Et le troisième, donc le deuxième, est mis 1 sur 3 pour lui. Et il va regagner le banc. Il check Morgan, Thomas... Et Fred et Claudien fait son entrée. Ah, il faut faire des stops. On n'a pas le choix. Il va falloir défendre fort. Allez, nous entre qui met les choses en place. Voilà, on est sur une série d'écrans. On a bien curlé. Très bien joué. Oh là là, très bien joué. Alar qui a très très bien curlé son écran et qui trouve Kwaku Hug qui finit au cercle. Du haut des deux, de ces 2m06, très très bien joué. En tout cas, quoi qu'il advienne, on peut dire qu'au Pôle France, ça joue bien. Et Claudien qui a mis son pied dehors. On est repoussé, on est rejeté et on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. 13 à 8 pour le Pôle France. Allez, Nolan Traoré qui repart. Et la faute de Claudien sur ce Nolan Traoré, justement, qui a surpassé l'écran, mais qu'en a trop mis et qui a fait faute. Abdoulaye Sy qui sort à la place de. Qui sort remplacé par Jamar Abrahams. Tandis que du côté du Pôle France, Ebunangombe qui rentre à la place d'Alar. Alar, moi que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce Alar, j'ai trouvé très intéressant dans la lecture de jeu. Très bien joué là, par contre défensivement on est venu trapper très haut sur le pic. Il reste 5 secondes. Oh le pétard de Diakité, le pétard. Oh là là, et là il a envoyé, il est monté très haut, très puissant, impressionnant Diakité. Abrahams qui en a trop mis, le bon rebond de Pabdey, rebond. Oh là là, Diakité, quel début de match. Quel pétard! Incroyable! Incroyable ce que nous propose là pour l'instant le Pôle France, c'est très propre. Voilà, de nouveau on curl, la vision et Nolan Traoré qui met 2 points, 17 à 10 pour le Pôle France. Ah, leur play là avec ce sorti d'écran en curl. Soit on vient driver derrière, soit on vient donner à l'eau sur le pic qui ouvre. Très très bien joué. Et derrière, Nolan Traoré est au lancer franc. Et là, on est sur un premier vrai écart. 18 à 10, plus 8. On entend sur le banc du rythme, mais ouais, on n'arrive pas à mettre ce rythme. Et Claudien qui remonte la balle. Allez. On est sur un play avec les deux intérieurs au poste haut. La fin de main à main entre Mathieu Robin à l'extérieur. Le 3 points. Et ouais, la faute. Alors là, la faute antisportive. Sifflée à Christopher Ebunangobe. Je suis un peu d'accord avec Lamine Kébé, là, le coach du Pôle France. Qui demande des explications. Pourquoi l'antisportive? Alors, j'essaie de lire sur les lèvres hein, de monsieur l'arbitre qui dit c'est essayé anti-sportif. À mon avis,
pour monsieur l'arbitre, c'est le joueur est retombé dans les chevilles volontairement. Et du coup, il considère que c'est anti-sportif. Moi, je trouve ça un peu sévère. Mais c'est ainsi. On suivra avec 3 lancers francs. 3 lancers francs pour Mathieu Robin. Ah, on sent. Oh là là, de la maladresse au lancer franc. On en laisse beaucoup trop en chemin sur ce début de match. C'est déjà le troisième qu'on rate. Mathieu Robin qui met le deuxième. Alors, on va pouvoir noter Diakité qui est à 4 points, une passe d'aise, une interception, 5 déval. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Hein. Pour tout vous dire, hein, je ne connais pas forcément tous ses profils. Je les connais de nom, de visu un peu moins. Mais Diakité, là, il me fait une très très belle impression. Et Nolan Traoré aussi, on sent que ça défend très fort. Voilà, ça défend fort du côté du Pôle France. On s'en sort bien. Claudien, c'est contré, mais c'est accordé. Et on revient à 18-14. Soulac, lui, va faire son retour, justement. À la place de Ebunion Gobé. Il reste 3 minutes et 1 seconde à jouer dans ce premier carton. Premier carton, pour l'instant, dominé par ces jeunes joueurs. Il n'y a rien à dire. Et 2 points. À nouveau mis par le Pôle France sur un oubli défensif. Et Morgan Benou est plutôt frustré sur son banc. C'est logique. On l'avait dit en début de match que le Pôle France était capable de gros runs offensifs. Et là, le ballon perdu tout seul. Oh là 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 là, on n'y est pas en ce début de match. Et Claudien va regagner le banc, remplacé par Hugo Suard. Ah ouais, là, on n'y est pas, on est à combien? On est à combien sur le niveau des ballons perdus? C'est déjà notre 6e ballon perdu sur ce premier carton. On est sur du 25 ballons perdus par match. C'est beaucoup trop. Allez, une grosse def. On est qu'à 6 unités. Oh, bien joué. Et la faute provoquée par Kevin Mondésir. Très bien joué de Nolan Traoré. Qui est venu chercher les bras de Kevin. Et qui va les retrouver de lancer franc. Le premier raté par Nolan Traoré. Le Pôle France qui a 4 sur 6 au lancer franc, nous 4 sur 7. Mais on en a laissé beaucoup trop en route. Est-ce qu'il va mettre le deuxième? C'est trop court aussi. Mais le rebond, on s'oublie. Et c'est ce diable de Diakité qui est encore là. Ce diable de Diakité qui prend le rebond off et qui va aller chercher deux lancers francs à nouveau. Et deux lancers francs de Diakité. Histoire peut-être de remettre 8 points d'avance pour le Pôle France, plus 7. Ah, c'est pas le premier carton qu'on aurait voulu, c'est plutôt le premier carton qu'on craignait. Plus 8 pour le Pôle France. On repart avec Hugo Suard. Hugo Suard qui va mettre le plan en place, qui met un peu de temps à se mettre en place justement. On va chercher peut-être pas de Bay en bas, voilà, c'est voulu. Et la faute de Eli Ntoa Ndanga. Voilà, on a ciblé en dessous, on l'a trouvé. Très bien, de lancer franc pour Pape Bay. Allez, Pape, pour les mettre ces deux, c'est important. Il faut rester au contact. On sait que le match est long, que c'est ce qui peut nous servir à la longueur du match, que physiquement... Il faut mettre de l'impact de la première à la dernière minute pour que ça paye sur la fin. Le premier est mis par Pape Bay. Et le deuxième est mis. 16 à 22.
Allez, le Pôle France qui remonte. On est sur une sorte de zone presse. Ouais, sorte de zone presse. Et oui, on est passé en zone. 2-3. Et l'écran, tête de raquette. Et le rebond. Allez, on se l'arrache. Petit coup de coaching. Là, on est passé sur une 2-2-1. Et la passe mal assurée. Et la bonne def de Soulac sur Pape Bey. Et le ballon est sorti. Et ouais, on est sur une 2-2-1. Une 2-2-1 à la mode N-Bontaise. Ouais, 2-2-1. On défend très haut. Voilà, et derrière, on va se mettre en 2-3. Tanguy Leroux a apprécié ce coup de coaching. Voilà, on va proposer autre chose. On sait que quelquefois, le Pôle France est moins à l'aise sur les zones. Est-ce que ça va être le cas ce soir? Voilà, on retrouve en dessous. L'alternance extérieur-intérieur, il reste 2 secondes. Et ça fait 2 échecs d'affilée. Là, c'est Mbougoulo, Mounanga qui rate. On a fait 2 stops, c'est très bien. Suard qui trouve Mathieu Robin. Allez, il faut se récompenser. On va chercher Pape Bey. Et qui fait marcher. Dommage. Et on a la faute technique contre Pape Bey qui a contesté. Pape Bey qui a contesté de ce marché sifflé. Aïe, 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 il faut garder ses nerfs, messieurs. Ouais, je regarde, je me mets un petit peu le ralenti pour tout vous dire. Et oui, il râle, dommage. Aïe, 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 gardons nos nerfs. C'est pas le moment. Et Nolan Traoré sanctionne 23 à 16. Il reste 1 minute et 10 secondes à jouer. Allez, on repart sur cette zone presse 2-2-1 qui se transforme en 2-3. On est resté sur deux stops. Diakité, c'est trop long. Le troisième stop et le rebond. Allez, il faut l'assurer ce rebond. Se battre, plonger et récupérer par le Pôle France. Nolan Traoré, Diakité. C'est bien joué, Soulac. On vient driver. C'est trop long. Il en a un petit peu trop mis, notre ami Mbougoulo Mounanga. Et le ballon perdu à nouveau. Le ballon perdu, 2 contre 1. Oh, la bonne def Mathieu Robin. Et le rebond de Jamar Abraham. C'est un petit peu n'importe quoi, là, sur ces dernières secondes. Allez, Jamar à 3 points. Bingo! Enfin, un peu de scoring. 23-19 pour le Pôle France. Il reste 10 secondes à jouer dans ce carton. Et l'arbitre demande la serpillière. Abdoulaye Sy va faire son entrée du côté lorientais. Ousmane Gueye également. Et c'est Kevin Mondésir qui va céder sa place. Ainsi que Pape Bey. Il restera 9 secondes et 6 dixièmes sur la possession pour le Pôle France. Pour valoriser ce dernier ballon. Tandis que la serpillière s'active. En tout cas, moins 4 sur ce premier carton. C'est pas ce qu'on voulait. Allez, on va chercher Nolan Traoré. Voilà, c'est ça. 5 secondes. On demande le pic. Il va se lever. 1 seconde. Ah, c'est mal joué. Ouais, c'est mal joué. Mal proposé. Ils ont mal regardé le chrono. Et on se quitte sur ce premier carton. 23-19. Et on va profiter de ce fin de carton pour souhaiter la bienvenue à Maël. Bonsoir à tous. Voilà, Maël qui a été bloqué dans les bouchons sur le périph' lorientais. Un petit peu de retard en effet. Et qui me rejoint ce soir pour commenter cette rencontre. Est-ce que tu as vu un petit peu le premier carton? J'ai vu un petit peu, du mal à se mettre en place côté lorientais si je ne m'abuse. Du mal à mettre en place, on voit des individualités côté Pôle France qui sont assez performantes pour leur âge, c'est vraiment impressionnant. Après voilà un petit point statistique peut-être. Ouais, on peut aller voir ça vite fait. On voit, c'est nos ballons perdus hein, côté lorientais. On est à 9 ballons perdus. On est sur du 40 ballons perdus sur la rencontre. C'est beaucoup trop.
On a du côté du Pôle France, on a seulement un ballon perdu. Voilà. Ouais, c'est ce qui fait la différence. On donne 8 biscuits. 8 biscuits différents. 8 biscuits sont donnés au Pôle France par rapport à nous. Ils ont 8 possessions de plus que nous. Il y a 4 points d'écart. N'allez pas chercher plus loin. N'allez pas chercher midi à 14h. C'est clairement ça qui nous fait mal. C'est ce qui nous fait mal depuis le début de saison, hein, j'ai envie de te dire. Exactement, exactement. Ce manque de discipline. Là, parce qu'on a perdu des ballons là tout à l'heure. Je pense à Claudien qui n'y a même pas de défense. Et on met le ballon sur le pied et ça sort en touche. On n'est pas bien, on n'est pas bien, Maël, mais je sens que ton arrivée va changer beaucoup de choses au micro là. Je sens des bonnes vibes. On l'espère évidemment. Alors qu'on va reprendre d'ici 5 petites secondes avec comme 5 Jamar, Abrams, Abdoulaye Sy, Ousmane Gueye, Hugo Suard et Mathieu Robin. Et côté Pôle France, je te laisse. Ouais, on a Diakité, on a Traoré, on a Soulac. On a Kwaku Ege et le petit dernier, je vois pas son numéro, du coup je peux pas vous dire, mais en tout cas ils sont bien 5 sur le terrain. Il me semble que c'est Inga Mukuri qui est pas encore rentré. Ouais, Inga Mukuri qui est pas encore rentré, qui est là sur le terrain et qui défend sur Jamar Abrams. Et Ousmane qui va jouer ses premières secondes du match. C'est ça. Très bien joué. Ouais, très bien joué. Et ça défend bien là à côté Pôle France. Abrams qui dans le drive, Kanatromi, allez, faut se battre, faut s'arracher, faut remonter, ouais, et 2+1, Jamar Abrams. Bon rebond. Ouais, à un moment donné, il faut se révolter un peu, faut avoir du caractère, il faut montrer les muscles. Là, on s'est fait un peu marcher dessus sur ce premier carton. On a accepté de se faire marcher dessus, on a baissé la tête, et là le play... L'action de Jamar, c'est tout ce qu'on veut voir. De l'agressivité, de la détermination. Et on revient à 23-21, Maël. 23-22 avec ce lancer franc. Allez, plus qu'un point d'écart et le Pôle France qui va repartir. Défense assez haute. Hein, ouais, toujours sur cette zone presse qu'on a fait en fin de quart-temps. Et on est sur une 2-3. Ouais, 2-3 sortes de match-up. Ouais, non, c'est même une quasi une indive. Ça. Beaucoup de changements, très compliqué à lire. Bien renversé, Nolan Traoré, 4 secondes. Il est dans son jardin. Et bon. C'est raté. Bon rebond de Jamar qui relance tout de suite avec Hugo, ça va vite. Ça va vite, mais ça se. La faute, ce qu'on disait de Inga Mukuri qui vient de rentrer, qui a contesté sur le pic, en a trop mis, et qui est sanctionné par messieurs les arbitres. Ça va être une remise en jeu de Mathieu. Ouais, Mathieu plutôt discret ce soir. Lui qui reste sur de grosses perfs, hein, très très complet. Là ce soir, il n'a pas encore pris un tir. Ah, oh, la réussite pour Hugo. Ouais, la réussite. Jamar. Bingo ! Jamar qui prend les choses en main sur ce début de deuxième quart-temps. On l'a senti là sur le rebond off tout à l'heure. Ouais, il a montré les muscles, ouais. Il prend un bon rebond, il enchaîne avec un shoot à 3 points. Et l'interception, non. C'est le Jamar qu'on a envie de voir. C'est exactement. Diakité au poste, très bien joué, qui trouve Hugo. Et Jamar qui est là encore en défense. Le bon passage de Jamar, et on est passé devant 25-23. Oh, il va se monter. Ah oh, oui, ça sentait. Ouais. C'est trop court, dommage. Il a voulu jouer sur sa confiance des ouais, dernières minutes. Excuse, hein, il a regardé Morgan, il a levé la main, excuse-moi. On peut pas lui en vouloir, il était en confiance. Il était dans son takeover, ouais, pour les amateurs d'NBA 2K. C'est ça. Bien joué la remontée au poste. Il drive sur Ousmane. Il a trop mis, mais la faute d'Ousmane Gueye. Et le retour sur le terrain de Alar. Yanis de son prénom. Je signale à la place de Soulac. Alar, j'aime beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure au micro. C'est vraiment, il a fait un très très bon passage. Petit côté Nicolas Lang, très complet, discret, mais ultra ultra important. Ça se sent dans le jeu. Et tandis que Kwaku Ege ou Hug, je ne sais toujours pas, se rend sur la ligne des lancers francs pour les deux premiers. Et c'est dedans le premier qui est validé.
Alors on a un petit coucou de cœur de primeur de, en direct de la Caroline du Nord. C'est un ami à moi là, qui fait un road trip du côté de Chicago, qui hier était, si je me trompe pas, est allé voir Chicago-Portland. On passe d'un Chicago-Portland à un Lorient-Pôle-France. Et bah c'est un mec qui aime le basket, c'est certain. Du coup, ouais, on te passe le coucou, cœur de primeur. Bonne passe, ça circule bien, Jamar. Jamar qui y va. Et le tir est touché. 27-24, temps mort. Pas demandé par Lamine Kébé. Et on passe à 3 points d'avance. On est repassé devant dans ce début ouais, de. Non, ouais, on est mieux. On a un de petit peu mieux. Quart-temps. On défend mieux déjà. On n'a pas pris de panier sur ces deux premières minutes. On a coupé un peu le rythme des paulistes. Et ça se ressent au scoring. Et puis Jamar a pris un peu les choses en main. Alors on a notre mascotte Scravi qui demande à faire du bruit, qui va lancer des serviettes qui nous sont offertes par notre partenaire Burger King. D'accord, et cette mascotte c'est quoi? C'est avec Nathan, on se pose toujours la question. C'est une mouette, c'est un pingouin. Alors je lui ai expliqué, ça fait 3 mois que je lui explique à Nathan chaque semaine. Et je pense qu'à chaque live on l'explique. C'est une sterne. Alors qu'est-ce qu'une sterne? Ouais, mais une sterne avec un côté pingouin quand même. Non, mais avec non. Un côté pingouin. Ça se voit, c'est une belle sterne des côtes lorientaises. C'est alors une sterne, pour vous expliquer, c'est un animal, c'est un petit oiseau qui a comme réputation d'être très agile, d'être très rapide et surtout méchant. C'est ce qui fait sa réputation. Donc c'est l'emblème du CEP Lorient Race Basket. Depuis 2 ans, il me semble. Depuis 2 ans, ouais. Tout à fait. La sterne qui est encouragée par les jeunes U9 du club. Alors je me permets ce petit clin d'œil parce que j'ai mon fiston qui est en bas. Qui a tenu la main d'Hugo Sueur. Exactement, si il a réussi. Hugo a réalisé le rêve d'un jeune homme. Et ben voilà, c'est parfait. Il voulait rentrer avec lui au début de match, il l'a réussi. Voilà, une soirée réussie pour ce jeune homme. Mais nous, en attendant, une soirée réussie, ça serait une victoire du CEP Lorient. Ça passe par une victoire. Ouais, c'est obligatoire. Et en parlant d'Hugo Sueur, l'interception. Dans le contrôle, bien joué, Ousmane Gueye en relais. Ah, et la fin, très bien. Oh, marche. Oh, je suis pas sûr de celui-là. Ouais, celui-là, j'en mettrai pas ma main à couper sans regarder le ralenti qu'il y ait. Mais bon, monsieur l'arbitre a sifflé. Et on parlait tout à l'heure du deuxième carton de Jamar Abrams. Il est déjà du coup à 14 points. 14 points et 15 dévals pour notre ami Jamar avec 5 rebonds au total. Et tandis que Nolan Traoré ramène les siens après ce gros tir à 3 points, tête de raquette. Mais oui, Jamar fait une bonne prestation. Et on a besoin de Jamar à 100%. Il est là pour ça, lui, avec son numéro 21, et qui profite de l'écran d'Ousmane Gueye. La petite passe dans le trafic, c'est trop petit. Tiens, quitté. Un petit peu de margarine. Et la faute technique. Alors là, c'est vrai que... Alors Hugo demandait une faute sur sa remontée de balle. Il a contesté. C'est une faute technique qui a été signée. Alors là, je comprends la frustration de coach Kébé parce qu'il met la faute technique au moment où il allait lancer son double pas. Du coup, ça te prive de 2 points. Imagine que tu rates ton lancer franc, que derrière... tu mets pas ton panier, et ben on t'a supprimé 2 points. Exactement. Ouais, il aurait pu attendre 3 secondes, attendre le panier et derrière la mettre. Ça aurait été logique parce que là c'est vrai que Hugo a montré les muscles. Et le panier est mis par Nolan Traoré. Voilà, Nolan Traoré qui commence à noircir un petit peu la feuille de match. La feuille de stats, 9 points à 66% à 2 points, 100% à 3 points, une passe d'ess, 7 dévals. Et la bonne interception de Mathieu Robin. Oh là, ça va commencer à râler un peu parce que là c'était limite parce que Nolan Traoré a mis son corps en opposition. On entend que ça gronde dans les travées de Kervaric. Mais là c'est la frustration pour moi, c'est aussi la frustration de tout ce qui ne va pas. Exactement. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après, Morgan il reste très très zen sur son banc. Thomas et Fred encouragent les deux adjoints. Allez, il faut passer outre. Moins un. Après ce mauvais passage. Ousmane Gueye sur Nolan Traoré. Qui vient driver, qui s'arrête. Ah,
c'est son spot. Ouais, il aime bien faire ça. Hein. Et le gros rebond d'Abdoulaye ici. Allez, Hugo. Mine de rien, ils ont beau avoir entre 15 et 17 ans, je sais pas ce que t'en penses Vincent, mais ça joue quand même vachement physique. C'est des costauds. Hein. C'est tanké, c'est encore un peu fluet, ouais, mais c'est très athlétique. Exactement. C'est pas hyper hyper physique, mais c'est très très athlétique et surtout ça joue très très bien collectivement. Vraiment. C'est une belle génération. C'est une belle génération. De toute façon, en général, ce qu'on dit quand le Pôle France arrive à gagner 3, 4, 5 matchs dans la saison, c'est que c'est une belle génération. Ouais, c'est ça. Tous les ans, c'est la même chose. Quand le Pôle est à zéro, c'est que la génération n'est pas oufissime. Mais là, cette année, on sait qu'il y a vraiment des vrais profils. Allez, Hugo qui joue avec Abdou. Qui vient driver, bien ressorti. Allez, Hugo à 3 points. C'est trop long. Et encore un rebond. Jamar qui est là. Hugo qui va aller driver, bien joué. Mathieu Robin qui se lève. Oh, il y avait peut-être un petit quelque chose hein, quand même derrière. Et le drive de Allard, c'est trop court. Bien défendu par Hugo qui a bien mis sa main en position. Et on relance. Abdoulaye. Reprise de dribble signalée par monsieur l'arbitre. Nouveau ballon perdu. Et du côté de Lorient, Mondésir refait son retour. Abdoulaye Sy sort et Quentin Hong va faire son entrée pour la première fois du match. Allez, on est sur quelle défense? On est sur une zone 2-3. Zone 2-3 qui se transforme ensuite quasiment en un div. Le intro qui drive dans l'axe. Allard qui ressorti sur l'axe. Et la faute à 3 points. Lamine Kébé, logiquement, demande mais pourquoi moi j'ai pas l'anti-sportive. Tout à l'heure, en première mi-temps, avant que tu arrives, il y a eu une faute. Il y a une faute sur un 3 points l'orienté. Ouais. Et ça a été donné anti-sportive. Et là, le coach Kébé demande mais pourquoi nous on n'a pas. Et ça sera seulement, entre guillemets, seulement 3 lancers francs donnés à Allard. Alors la chose intéressante, Maël, moi ce que j'aime bien là, sur ce match-là en termes d'état d'esprit, c'est que les 5 joueurs se regroupent très très souvent pour causer, pour échanger, pour se remotiver. Et ça montre un groupe qui ne lâche pas et ça c'est important de le signaler, c'est important. Et alors qu'il y a 1 sur 2, le troisième va être tiré. Et le troisième est mis, 2 sur 3 pour Allard, 29 à 27. Mathieu Robin qui remet... Défendu par Nolan Traoré. C'est ça, qui remet un play en place. On va aller chercher Ousmane Gueye. Non, le pic. Ouais, bien joué. Abrams, très athlétique, très aérien, qui est passé par la porte de derrière et qui a suivi son rebond off. Il reste assez longtemps en l'air hein, quand même. Ouais, hein, ouais très bien. Sympa. Oh, trop long. On avait petit oubli défensif sur Nolan Traoré, mais qui n'a pas été sanctionné. Pape Bey qui retrouve Mathieu Robin. Ça défend bien. On cherche et ça sera le pied. Un pied pauliste. Mais coach Kébé qui ne comprend pas, c'est vrai. Alors, Maël, on n'est pas là pour critiquer les arbitres du tout. On est là pour donner quelques fois nos avis. Et là, moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre certains coups de sifflet. Parce que là, je voyais plus le pied de Jamar Abrams qu'un pied pauliste. Mais c'est ainsi, 29-30, temps mort demandé par Morgan Bennou. Faut surtout pas que nos joueurs se frustrent, faut qu'ils restent dans leur match, c'est très très important. Ouais, complètement, on est focus sur le game. On va aller faire un petit tour sur les autres scores. On a First qui mène au sable à 3 minutes de la mi-temps, 47-39. J'ai l'impression qu'on leur a donné confiance à First. Hein. Oui. Ouais, ils sont pas mal en ce moment. On va aller voir un autre match. On va aller faire un petit tour du côté. Ah, moi ça m'intéresse, même si c'est pas notre championnat, ça m'intéresse d'aller voir du côté de Caen
Caen Quimper et Caen qui mène dans sa salle, dans son chaudron, 49 à 36. Nos amis finistériens qui sont dans le dur, qui restent sur deux défaites de suite. Aïe, aïe, aïe pour eux. Dommage, dommage. Il ne faut pas lâcher pour nos amis Quimperrois. Il me semble que mathématiquement, d'accrocher la première place ça va être de compliqué. La poule haute, ouais. Je crois que même que c'est mort pour eux. Donc je pense qu'ils vont se concentrer sur les playoffs et, chercher le classement le plus haut possible pour avoir l'avantage du terrain. Exactement. En playoffs. Et tandis que demain joueront Poissy qui recevra Lyonceau et Berck qui recevra Besançon. Allez, on retrouve Quentin. C'est trop court. Ça remonte vite la balle. Côté Pôle France, Traoré, le contre de Pape Bey. Ouais, il a été pris. Rattrapé par la patrouille. Le pied sur la ligne, malheureusement, de Mathieu Robin. Le ballon rendu au pauliste. Qu'est-ce qui va vite, Nolan Traoré, vers l'avant là. Il arrive à se projeter très rapidement. C'est impressionnant. Il est vraiment très dynamique, très, très vif et athlétique. Ouais, et puis là, il a traversé tout le terrain avec une facilité déconcertante. Et Abdoulaïssi est rentré du côté de Pôle France. Ne pas confondre Abdoulaïssi de Lorient. Deux homonymes. Tandis que Nolan Traoré prend le dessus sur Ousmane Gueye. Le rebond d'Ougué. Et ballon rendu pour nos cépistes. Allez, l'occasion de repasser devant. Mathieu Robin. Ousmane Gueye qui pose l'écran. Mathieu Robin qui va jouer à l'art et qui va provoquer la faute. Très bien joué. Deux lancers pour Mathieu à venir. Et tandis que Mbugolo Munanga va faire son retour, tout comme Ebuna Kombe. Et c'est Alar et Abdoulaïssi qui a fait un tout petit tour sur le terrain. Qui va faire Abdoulaïssi, hein, qui vu de la cabine, qui me semble très très jeune. Ouais, très très ouais, jeune. Vraiment un petit visage de poupon. Et je vais te dire ça. Si j'arrive à retrouver son âge, 16 ans, ouais. UO de 1m97. C'est pas le plus jeune de l'équipe, mais vraiment de visage très très enfantin. C'est incroyable quand même de voir ces très jeunes joueurs tenir la dragée haute à de très bonnes équipes de National 1. Exactement. Ça leur promet un bel avenir. Exactement. Et on aime bien dire exactement ce soir, j'ai l'impression. Exactement. Allez, le deuxième émis par Mathieu Robin. Et on passe devant 31 à 30. Et on est quand même plus à l'aise sur zone, mais là on est repassé en indiv. Allez, on va chercher. Qui on va chercher là? Voilà, le drive, très bien joué, repoussé. Bien défendu par Ousmane. Ouais. Allez, il va se jouer un contre un. Bien joué dans la porte de derrière. Et le rebond. Et le ballon sera rendu à Lorient. Boulefa, deuxième meilleur marqueur du Pôle France, qu'on voit pas beaucoup ce soir, le numéro 16. Le poste 4, là, du haut de ses 2m3, on l'a pas vu beaucoup. Allez, Mathieu qui remonte la balle. L'écran de Pape. Ah, il faut trouver en dessous, on n'arrive pas, on est repoussé très très loin. Bonne défense de Boulefa, mais qui est sanctionné malheureusement. C'est une faute gratuite puisqu'on n'est pas encore dans la pénalité. C'est leur cinquième faute. Ah si, pardon, ouais, je regardais de l'autre côté, excuse-moi. Ouais, en effet, on est dans la pénalité, donc c'est pas une bonne faute. Et c'est la deuxième de Boulefa qui retrouve le banc. Allez, Mathieu, pour deux lancers. Le premier est dedans. Ah, ça communique beaucoup entre les joueurs et les coachs. Morgan et Thomas qui font signe avec leurs doigts. 2-2-1. On va repasser sur la zone presse. Et le deuxième lancé. Mais voilà, on est Mathieu Robin et Quentin très haut devant. Et on est Ousmane Gueye qui est un peu bas. Mais voilà, derrière on se met en 2-3. L'intro qui met les choses en place. Allez, on cherche Diakité qui remplit le poste haut. Est-ce qu'on va le trouver?
Ouais, bien joué. Voilà, on le trouve. La relation poste 4-5, on l'a et pas trouvé. L'interception. Ouais, l'interception de Pape Bey. Là, c'était un petit peu mou, un petit peu lent du côté du Pôle France. Allez, voilà, on va jouer la transition. Mathieu qui touche énormément de ballons quand même. Ouais, ah bah c'est chef d'orchestre. Hein. Et le marché de Quentin Hanck. Et Mathieu qui dit à Quentin, mais shoot. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu le prendre. Ouais, un manque de confiance, c'est sûr. Et on se remet en 2-3. Jamar qui s'occupe du poste haut. Ah, on a le petit oubli dans le corner. Et le ballon, le tir est trop court de Nolan Traoré. La relance avec Jamar Abrahams. Est-ce qu'il va le jouer? Ouais, il va jouer. Non, il repart avec Mathieu Robin. Mathieu Robin qui joue avec Pape Bey. Bien joué la relation. Ouh, et ouais, le panier sera accordé. Phase descendante, hein, il me semble. Ouais, ça a touché la planche. Rien à dire. Aucune contestation possible. Et 35-30, le plus gros écart en faveur du CEP Lorient depuis le début de la rencontre. On avait pris 23 points dans ce premier quart-temps. On en est à 7 dans ce deuxième. La défense s'intensifie. Ouais. Ça commence à devenir dur hein, pour les paulistes. Il est temps, j'ai envie de dire, que la mi-temps arrive pour eux. Et ça serait le moment pour nous de mettre un peu la tête sous l'eau à ces jeunes pousses. Mathieu Robin qui profite du pic d'Ousmane Gueye. On va chercher Pape Bey en dessous. Ousmane qui coupe. Bien joué, Quentin. Bingo, voilà. Voilà ce que tu disais tout à l'heure. Eh oui, il faut qu'il les prenne. Prends tes tirs, Quentin. Et voilà, 3 points de Quentin. Allez, 8 points d'avance et temps mort demandé par le Pôle France. Ouais, mauvais passage. Mauvais passage pour nos amis du Pôle. Qui reste, si je me trompe pas, sur un 9-0, parce qu'il menait 29 à 30. Ouais, tout à fait. Et tant mieux pour nous, on est un peu mieux, on trouve un peu plus de solutions. Et coach Kébé qui se fâche, hein, on le voit là de la cabine, hein, qui se fâche, qui demande certaines applications de play. Pas content là après ce mauvais passage. Public hein, qui répond présent, qui encourage ses couleurs. Et du côté de Lorient, on va repartir avec les mêmes. Pas de changement là dans la suite de ce temps mort. Et Scravi qui a coincé la serviette sur les stores. Ah bah ouais, mais il était ambitieux. Il était trop ambitieux. Ah ouais, la serviette qui est coincée sur le store, c'est pas mal celle-là quand même. Elle sera donnée à celui qui remettra le store en place. Exactement. Et Lohan qui a filmé la serviette. Allez, on est reparti. Il reste 1,55. De toujours sur cette zone qui pose de gros problèmes au Pôle France. Diakité qui remplit là à nouveau le poste haut. Est-ce qu'il... Non, il est dos au panier. Traoré. Oh, bien joué. Oh, dommage. C'était très, très bien joué. Nolan Traoré qui avait bien drivé dans l'axe. Qui voulait servir... Qui voulait servir Kouakou Ogé sur la baseline. Mais il en a trop mis. Et le ballon est sorti et rendu à Lorient. Allez, l'occasion de prendre 10 points d'avance. Ça nous ferait du bien. Oh, Mathieu déséquilibré. Ballon. Et le ballon sera rendu au Pôle France. Ballon perdu par Mathieu Robin. Et ce sera notre 15e ballon perdu. 15 ballons perdus dans cette mi-temps. C'est ça beaucoup fait beaucoup. Trop. Ouais, c'est beaucoup, fait beaucoup trop. Ok. Il y en a trop mis. Et le rebond de Jamar. Autoritaire Jamar. Jamar. 18 déballes pour lui. 19 maintenant, 16 points, 8 rebonds. Allez, joue-le mon grand, joue-le. Bien sûr, t'es plus costaud. Ouh. Oh, 2 points, il réclame la faute. Ça, c'est joli. Hein. Très, très bien joué. Il chute en descendant en plus. Ouais, hein. Ouais.
sans appui vraiment. Un très beau shoot. Allez, on trouve en dessous Huguet. Oh, il est repoussé par... Spangay ! Il a renvoyé à ses études avec ce contre. Très bien joué. Mathieu Robin, allez, c'est le moment là, c'est le moment. Avant la mi-temps, il reste 31 secondes à jouer. Mathieu Robin. Allez, Mathieu, on va chercher Pape Bey. Non, ouais. On a cherché je ne sais qui. On l'a perdu. 16e ballon perdu. Et la faute de Quentin Hank. La bonne faute. Applaudi par Morgan et Thomas, puisqu'on n'est pas dans la pénalité. Mais n'empêche que là, on vient de perdre notre 16e ballon de la première mi-temps. On est indiscipliné. C'est la première faute de Quentin dans ce match. Et l'entrée, déjà trois fois. L'entrée de Ntoa Ndanga du côté de Dupol. Traoré. Ouais, tout le monde est très large. Couler. C'est ce que demande coach Kébé. Laissez-le jouer. Il va garder le ballon, je pense, jusqu'à la fin. Par rente de possession. Il va faire danser Quentin. Oh, c'est bien joué. Oh, l'énorme tir. Énorme tir de Nolan Traoré. Il nous a fait une James Harden. Exactement. Une James Harden droitier. Très, très fort. Très, très fort. On a vu tout le potentiel de ce jeune joueur. Magnifique. Ouais, c'est vraiment très beau à voir. C'est à apprécier. Je vous donne rendez-vous dans 5-6 ans. Quand on pourra dire, ouais, on a vu ça. On a vu ça à Carvaric. Et on a vu surtout que Lorient mène 40 à 33 à l'issue de cette première mi-temps. On a plutôt bien réagi après un premier carton raté. Et on est devant à plus 7. Exactement. Et on vous souhaite une bonne mi-temps. Et ouais, à tout à l'heure. On se retrouve au bar Mel. Exactement. Dans 14 minutes. On a 14 minutes pour redescendre. Allez au bar et on se retrouve ici. Ça va le faire. Allez, à tout de suite.
Allez, on se retrouve, amis supporters lorientais, amis supporters du Pôle France. On se retrouve pour cette deuxième mi-temps entre le SAP Lorient et le Pôle France. 40 à 33 pour Lorient après une première mi-temps, on va dire mitigée, Maël. Mitigée avec une première partie de match qui était vraiment compliquée côté sépiste, mais un bon retour et ils sont bien repris. Un deuxième quart un peu plus maîtrisé, voilà. Sur cette zone qu'on a plutôt bien faite. Et là, on repart avec un drive de Diakité qui s'est un petit peu éteint dans le deuxième quart temps, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier. Et qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Ouais, c'est la première faute d'Abdoulaye Sy, le nôtre. Notre Abdoulaye Sy. Abdoulaye Sy, le nôtre, c'est exactement ça. Après, on espère que cette deuxième mi-temps sera un peu mieux maîtrisée et qu'on sera en capacité de ne pas se faire peur. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse un écart avec cette team, parce que cette team, elle a du cœur en face, le Pôle France, et ils n'ont rien à perdre. Chaque match, c'est un match de coupe pour eux, et s'ils peuvent venir nous grappiller, nous embêter le plus longtemps possible, ils le feront. Et là, on ne se donne pas les moyens avec cette faute offensive d'Abdoulaye Sy. On a parlé des ballons perdus en première mi-temps, Maël. Là, on en a perdu 16 en première mi-temps, et là, 23 secondes de jeu, on perd notre premier ballon. Avec Claudien qui défend. Claudien qu'on n'a pas beaucoup vu. Non, qui a perdu rapidement son premier ballon et qui a retrouvé le banc. On cherche Diakité à nouveau, mais justement Claudien a l'interception, parce que Morgan l'a relancé et qui vient provoquer la faute. Voilà, belle réaction de Claudien. Et Yannis Allar qui cherchait la faute offensive, mais bon, il était encore en mouvement. En mouvement, pas placé. Ce qui nous donne un ballon pour nous l'orienter avec Claudien. Claudien qui va aller chercher Hugo. Ça va être compliqué. Il faut jouer les gars. Et oui. Ça défend bien. Pas de solution trouvée. Le ballon est rendu au Pôle France. Et on repart avec Soulac. Soulac, pareil, qui est auteur d'un bon premier carton. Bien joué ce jeu de main à main. On vient chercher l'écran à nouveau avec Soulac. Le flare pick avec Allar, mais on trouve à l'opposé Diakité. Le 3 points de Diakité. Et attention, plus que 2 points d'écart. Hugo Suard, défendu par Allar. Allez, Hugo, on va chercher des solutions. Pape Bey en dessous. C'est sûrement l'une des solutions, tellement qu'il est physique. Et voilà, il vient travailler. Il vient travailler le jeune Kwaku Ege. J'arrive pas à retenir son nom sur ce match. Kwaku Ege. Et qui est sanctionné. Et qui vient trouver deux lancers francs. Drôle de rythme en ce début de deuxième mi-temps. Ouais, on sent que c'est assez flou des deux côtés. C'est ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à mettre notre rythme sur ce game, sur ce match. Il ne faut pas qu'on laisse le Pôle France dérouler. Et là, c'est ce qu'on fait depuis 1 minute 20. On a laissé le Pôle France reprendre confiance. Ils sont revenus à 2 points. Maintenant 3 avec ce lancer franc de Pape Bey, 41 à 38. Et le deuxième maintenant qui suit. Et qui est mis, 42-38. Allez, Allar qui cherche Soulac qui annonce un play. On va aller trouver Boulefa qui nous doit une revanche sur cette première mi-temps. Lui qui a l'habitude quand même d'avoir une grosse influence. Là, on le trouve, le flare pick sur Allar, le gros tir. En déséquilibre en plus, c'est un très beau shoot. Hein. Ils ont fait la même tout à l'heure, sauf qu'ils n'ont pas réussi à le trouver. Et là, ils l'ont trouvé, le flare pick. Et ça fait 3 points pour Allar. J'ai envie de dire Yanis Nicolas Lang Allar, tellement qu'il lui ressemble, je trouve. Et justement, Allar en défense sur Hugo Suard. 5 secondes. Abrams qui rafute un peu. Le tir d'Hugo Suard qui est raté.
Et le rebond de Soulac. Aïe, 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 ça commence pas bien cette deuxième mi-temps. On n'en veut pas une deuxième mi-temps comme ça. On veut remettre la main sur le game. Boulefa, le main à main avec Soulac. Le pic, il reste 8 secondes. Il prend son temps. Soulac, il va jouer à Abrams, il va se monter le tir. 3 secondes. Oh, c'est compliqué. Avec la planche, c'est trop long. On cherche. Et le rebond de Diakité. Bien joué, Diakité. Très présent. Très présent ce Diakité. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour ma part, pour ce joueur. Soulac encore. Diakité, il va le prendre, Diakité. Et c'est manqué. Rebond Abdoulaye ici, qui relance assez vite avec Claudien. Eliezer Vanero qui y va. Il y va tout seul et c'est dedans. Il a raison, il faut prendre confiance, il faut y aller. Il avait une autoroute devant lui, il l'a saisi et c'est 2 points en plus pour Lorient. Plus 3, 44, 41. Allez, on vient sur un jeu de transition. Qui on va trouver là? Diakité à nouveau? Non, on va voir l'autre côté avec Hugo. Oh, la fin de main à main, bien joué. Qui va le il va jouer pas de baisse, c'était bien joué. Il va provoquer la faute. Très bien joué. Très bien joué de Kwaku Hugo. Et il va avoir deux lancers francs. Alors, Kwaku Hugo qui me pardonnera s'il revoit ce live, si je mange son nom, si je me trompe sur son nom, sur la prononciation. N'empêche que Kwaku Hugo qui fait un très très bon match et qui se retrouve avec deux lancers francs à suivre. Justement, je vais faire un petit zoom sur lui. 3 points, 4 rebonds, une passe d'ess. Et moi, je trouve qu'il avait beaucoup d'activité pour lui. Le premier est trop long. Ouais, trop long. Le meilleur marqueur du côté de Paul France, c'est Nolan Traoré avec 13 points. Malheureusement, un petit peu de maladresse à 2 points, 4 sur 10. Ce qui fait qu'il n'est seulement qu'à 8 déval. Mais on a vu tout son talent, notamment en fin de première mi-temps, sur ce gros step back à 3 points. Et n'empêche que là, Maël, le Pôle France revient à 2 unités. Oui, il faut que nos sépistes arrivent à prendre cet écart, à prendre un peu d'écart pour s'assurer une fin de match tranquille. Mais on a du mal. Allez, Pape sous le panier. Oui, c'est il domine dedans. En dessous, il domine. Il faut le retrouver en dessous, Pape. On peut pas l'arrêter là, son physique est trop... Trop impressionnant, trop costaud pour Boulefa et Kwaku Hoge. Il faut le retrouver en dessous. Soulac. La passe lobée, bien joué Boulefa. Le petit toucher. Très bien joué le 2+1. Très très bien joué. 46-44. Et ils sont toujours là le Pôle France. Toujours là. Ils ont de vraies valeurs de combativité. Ces jeunes gouailles. À l'image du coach, hein, le coach qui est très virulent, enfin très virulent, c'est pas le terme, très actif. Beaucoup d'énergie sur le banc. Et Boulefa, lui, rate son lancer franc. Dommage pour le Pôle France d'avoir autant de déchets sur la ligne de lancer franc. 14 sur 20, maintenant 14 sur 21. On est à un petit 66%. Claudien qui cherchait Hugo Suard, intercepté par Yannis Allard. C'était bien joué, il y avait de l'idée. Mais encore une grosse présence défensive hein, côté Pôle France. Allez, Pape Bey. Trouve Claudien. Le Steiger pour Hugo Suard à 3 points. Est-ce qu'il va se lever? Oui, il fait danser Yannis Salard. Il reste 5 secondes sur la possession. Ouais. Est-ce qu'on va. Bonne défense de Yannis Salard. C'est court. Ouais, tu l'as vu tout de suite. Ouais, tu l'as vu tout de suite. Très bien vu. Et Soulac qui vient faire le petit reverse, mais qui est pris par Claudien. Oh, l'agressivité des paulistes qui récupère la balle. Soulac qui vient se balader dans la défense et qui vient marquer. Alors là, c'était opération porte ouverte dans la peinture et qui permet au Pôle France de revenir à 46 partout. Claudien qui annonce son système. Alors Mathieu Robin va son retour, Kevin Mondésir aussi, se sont assis sur la chaise, tandis qu'Abdoulaye Sy au poste bas, rate et le rebond de Allard. L'occasion pour le Pôle France de reprendre la tête. Il n'avait pas mené depuis 23-22. Donc ça venait un petit moment, j'ai pas le time, mais ça fait un petit moment que c'était pas devant.
Est-ce qu'on va pas être obligé de repasser en zone? Parce que là, sur les indives, on se fait manger. Boulefa, trop court. Oh, le rebond de Soulac sur la tête de Djamar. Diakité qui vient driver Claudien. Oh, il est loin. Ouh. Ouais, il est loin. Mais le rebond à nouveau de Boulefa. Allez, faut se battre. Voilà. Bien joué à Doulay. Hugo. Est-ce qu'on va trouver? Voilà, on va trouver Pat Bey. Oh, la passe qui s'est presque transformée en tir. On s'en sort bien avec. Ouais, on va récupérer la balle. Oh là là, alors, c'est pas joli, Maël. C'était vraiment pas joli. On s'en sort bien. Côté Paul France, Nolan Traoré refait son retour. Et Mbubulogo Munanga aussi. Beaucoup de changements parce que Imga Mukuri revient sur le terrain aussi. Alard, Diakité sort. J'ai pas vu qui est sorti pour le troisième. Je crois que c'est Ntou Nanga. Beaucoup de changements. Ouais, pour parler un petit peu des rebonds offensifs. Les rebonds offensifs côté Paul France, ils en sont à 6 déjà. À 8, pardon. Ils sont à 8 rebonds offensifs depuis le début du match. Ouais, très actifs. Nous, on est à 4. Ouais, très actifs les Franciliens. Il reste 6 secondes sur la possession. Et là, ça défend très très bien. Oh, le gros. Oh, et shoot, Abdou. Oh, le gros pic de Kevin Mondésir sur Nolan Traoré. Oh, le bon rebond. Oh, allez, pas de cafouillage. Oh, c'est du basket. Du basket olé olé. Mathieu Robin. C'est pas le Chicago Portland. Ah non, c'est sûr. Et le marché. Non, double faute, je crois. Il me semble. J'ai cru voir. Ouais, faute de Kevin Mondésir. Ah non, anti-sportive. Alors, excuse-moi, j'ai. Je suis pas sûr d'avoir bien vu, j'ai cru voir anti-sportive pour Kevin Mondésir. Ouais, ça va être sa quatrième en plus. Il a l'air de contester la décision arbitrale. Ouais. Je vais mettre le ralenti. Je vais te dire ce qu'il en est. Et ouais, Kevin ouais. Qui sort, qui râle. Là, on va regarder là. Regarde, Kevin. C'est encore après, c'est encore ouais, après. C'est hein. Encore après. Petit moment d'incompréhension. Ouais, ça brasse en dessous. Ouais, c'est quand même très très sévère. C'est très sévère. C'est sûr que ça a brassé, mais c'est basket aussi. En attendant, le Pôle France est repassé devant. Ouais. Ils sont revenus avec de très très bonnes intentions. Ils sont sur un 14-6 sur ce retour de vestiaire en 6 minutes et 25 secondes. Autant dire que c'est pas du tout ce qu'on voulait voir, hein, Maël. Et donc c'est sûr. C'est sûr. Mais ça refroidit un peu la salle. Hein. Je trouve que l'ambiance est pesante. On sent de la fébrilité un peu partout. Nolan Traoré qui profite de l'écran de Boulefa. Qui vient driver, bien pris par Djamar Abrams. Bien battu, Djamar. Très bien joué. Abdoulaye Sy. Ousmane dans le trafic. Claudien qui va transférer. Non, il n'a pas pu transférer parce qu'il était bien sur la ligne de passe. Bien driver. Allez, Djamar. À mi-distance. C'est dedans. Ça y est. Ça, c'est de l'argent au coffre. Il adore ces positions-là. Attaquer dans le corner, dans le 45 à gauche. Réattaquer sur sa main droite et s'arrêter. Dans le petit périmètre, 48 partout. Traoré. Ça permet aux Lorientais de revenir à égalité. Ça fait du bien ce panier, ça fait du bien. Ouais. On était pas bien. Oh, il va faire Nolan, Traoré. Et qui va provoquer la faute de Djamar Abrams, il me semble. Qui demande un marché, Djamar Abrams. Ouais. Et ouais, c'est la faute de Djamar. Et c'est sa deuxième faute. Diakité qui fait son retour. Et qui remplace ce très bon Noah Kwaku Oge. Je vois que Yanis Allard est sorti parce qu'il a reçu un coup sur les doigts ou sur le poignet. Il tient une poche de glace. Coup dur pour les polices parce que Yanis Allard avait fait un très très bon passage dans ce troisième carton. Le premier lancer de Nolan Traoré est manqué.
Et c'est dedans. Plus 1. Plus 1 pour les paulistes. Ah, Lamine Kébé qui se tient la tête. Ah, quand tu es coach hein, de jeunes pousses comme ça, c'est sûr que quelquefois tu dois te tirer les cheveux, tu dois te faire du mouron, mais c'est le travail aussi. C'est la quatrième, hein. Quatrième faute de Boulefa. Des petits oublis défensifs, là, on sent un petit coup de fatigue là après ce run pauliste. Claudien en tête de raquette qui trouve Ousmane Gueye. Oh, c'est dur, mais le bon rebond d'Abdou qui va chercher les deux points. Et Nolan Traoré qui repart de l'avant. Diakité. Il cavale hein, quand même le Traoré. Ouais, ouais, remet du rythme, c'est très intéressant. Nolan Traoré qui a encore le ballon. Ah, qui le step back. Il est élégant. Il est très très élégant, très beau à voir jouer, très propre. Parce que là, il a fait la même tout à l'heure en fin de première mi-temps. Il le mettait, c'était la même. Et le ballon sera rendu au Lorientais. Puis on le sent confiant quand il joue, il a l'air hyper à l'aise. C'est sans prise de tête, c'est vraiment du beau basket. Beaucoup de simplicité. La sérénité. Bien la joué, confiance. Claudien. Et qui a retrouvé Ousmane Gueye. Et derrière, on repasse en zone. 2-3. Et tout de suite, le Pôle France est moins à l'aise hein, sur cette zone. Traoré. On recherche beaucoup plus Traoré. L'exploit individuel dans le drive qui vient chercher le bon rebond. Oh là là, ça se bat. Diakité. Allez, sors-moi de là le ballon. Ça petit. Joue des coudes là. Hein. Et on va aller chercher le jump ball. Et le ballon sera rendu à Lorient par la règle de l'alternance. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la règle de l'alternance? La règle de l'alternance, c'est-à-dire que quand il y a entre deux, un moment le ballon est pour les blancs, la fois suivante elle est pour les bleus, etc. etc. D'accord. Alors qu'auparavant, auparavant, quand il y avait jump ball, c'était des entre deux. Et ça on a fini. Et le ballon perdu par Claudien est sanctionné par Yimga Mboukouri. Par un 2+1 qui peut permettre au Pôle France de revenir à égalité. On ne s'en sort pas, Maël. Le Pôle France fait l'élastique, fait le yo-yo, mais ils sont toujours là. Bah, disons qu'on a du mal à prendre cet écart qui nous mettrait en confort pour la suite du match. Mais... Pôle France qui s'accroche. Ouais. On manque de régularité sur les prises de rebond, sur pas mal de petites erreurs par-ci par-là. Oh, bah voilà, l'exemple typique. Exactement. Des petites erreurs qu'on peut faire depuis le début de ce match. La discipline. Et bon, ça se tape dans la main quand même. Et... On est à 21 ballons perdus. Ouais, oui, ça fait beaucoup. Même si on a un peu stoppé l'hémorragie, 21 c'est beaucoup trop. Ouais, et le beau panier de Diakité. Moi, il me plaît bien ce garçon. Il me plaît bien depuis le début du match. Il est très haut hein, quand ouais, il shoot. Très haut. On l'a vu en début de match, le gros pétard qu'il a envoyé sur Papey. Vraiment intéressant. Allez, Mathieu qui a réussi à se filer. Bien Boussman. Joué. Oh là là, il faut les mettre, mon grand. Et, voilà. Et il le met en deuxième chance. On repasse devant, 54-53. Ousmane qui se rattrape bien sous le panier en deux temps. Allez, on travaille, on prend son temps du côté du pôle. Traoré. Ah, il a bien drivé, bien joué. On va trouver Diakité encore, 5 secondes. Ouais, très Diakité. Bien joué. Oh là 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 là, Diakité, quel chantier qu'il nous fait. Ouais, sacré joueur, là, ouais. Diakité. 15 dévales, 13 points. Gros pourcentage, 4 rebonds, une passe, il est présent. Allez, dernière possession sur ce carton, Hugo Suard qui pénètre. C'est qui... un marché, ouais. C'est un marché, ouais, Hugo marché. Suard. 3 secondes et 5 dixièmes à jouer. Alors, faut juste espérer que Nolan Traoré nous fasse pas la même que tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on va le trouver? On va. Ouais, mais il a de la place. Munanga sur un double pas. Alléluia. Ouais. C'est raté. Et le Pôle repasse devant
à la fin de ce troisième quart-temps. 55-54. Alors là, si on n'est pas dans le match piège, mon Maël, ça y ressemble tout droit. Ça y ressemble fortement. Ouais. Faut que les garçons soient concentrés jusqu'au bout. Ouais, pour retrouver de l'agressivité, peut-être un peu plus d'alternance et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de discipline sur les ballons perdus. On rend des munitions trop facilement, ce qui procure de la frustration, ce qui procure des paniers faciles aux jeunes franciliens et ce qui permet aux jeunes franciliens de mener de 1 point 55 à 54. Allez, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour du côté des Sables. Les Sables qui jouent contre Fers. Et les Sables mènent de 4 points. Ils ont renversé la tendance, hein, ce qui s'était mené en début de match. Ils mènent de 4 points maintenant à domicile contre Fers. J'ai envie, comme tout à l'heure, d'aller voir nos voisins. Nos voisins à Quimperrois dans l'entre-canet. Oh là là, ouais. Moins 20. Ah, ils ont été renvoyés à leurs études, là, les Quimperrois. 3 défaites qui se profilent d'affilée. C'est dur à avaler pour un prétendant à la montée. Et Caen qui confirme son statut d'imprenable à domicile dans son nouveau palais des sports de, je crois, de 4000 personnes. Ouais, sacré sale. Et qui fait. On sent que c'est même un peu plus. Hein. Ouais, et qui fait guichet fermé depuis l'ouverture de la salle. Vraiment un très très beau complexe, une très belle équipe et une très belle dynamique du côté de la Normandie. Et on salue Koulibaly qui fait les beaux jours du camp baissé. En parlant d'anciens lorientais, on va aller voir juste un petit coucou du côté d'Orchy. On va aller faire un petit coucou à Philippe Montcourant. Et Philippe Montcourant qui est mené de 15 unités par les Vendéens de Chaland, 38-53. Dans le troisième quart-temps. Allez, on revient à nos moutons, Maël. Allez, il faut le prendre celui-là. Il n'y a pas à se poser de questions, qu'importe la manière. Il faut aller gagner ce match-là. Bien joué, Mathieu. Et bon, ça passe rebond. Par une bonne défense comme là. Hugo qui va y aller. Il va y aller, Hugo. Bien sûr. Joué, Hugo. Le sentiment de révolte. Là, voilà. On drive, on va agresser. Et on passe devant. 56-55. Ah, au ouais. Poste. Allez, rebond. Voilà, c'est ce rebond, Mathieu Robin. Allez, les gars. Hugo qui va redriver, qui ressort sur Jamar. Et le ballon sera rendu au Pauliste. Au Pauliste. Allez, on est reparti. Nolan Traoré. Ah, on cherche le poste haut. Diakité. Oh là 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 là, Diakité. Très très bon passage, Diakité. Ouais. Ah, il fait son match. Hein. Ouais, il est bien présent. Vraiment. On lui demande. Diakité, lui qui. Je voulais voir ses stats cet après-midi. Et Diakité, lui qui tourne à d'habitude 7 points par match et déjà à 16 points. Sûrement l'un des ses plus gros matchs. Jamar, oulololololo. Ah, qui va au contact, qui est repoussé. Et le rebond de ce diable de Diakité. La contre-attaque. Eh oui. Diakité, oui. 2 points en plus. C'est le temps mort. Demandé. Ça joue vite. Hein. Morgan, ça joue vite côté Paul France. Là, on est en train de plonger. Là, mauvais passage sur ce retour de 4ème carton. Et Kevin Mondésir va faire son retour à la place d'Ousmane Gueye, me semble. Diakité, c'est quand même 2m5, 17 ans. Alors, pour tout vous dire, son meilleur match offensif. Hop, j'y suis presque. Ah, je l'ai pas son meilleur match offensif. Je vais vous dire ça tout de suite. Jusque-là, son meilleur match offensif, c'était 15 points. Autant dire qu'il a passé, qu'il a battu son record au plus mauvais moment pour nous, Maël. Eh oui. Alors Morgan qui donne ses consignes. Qui essaye de. Voilà, qui tape sur les panneaux publicitaires pour remobiliser son équipe. On est à moins 3. Aïe 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 aïe, c'est pas du tout ce qu'on voulait, je le répète.
C'est vraiment le match piège par excellence qui se dessine. À nous de réagir là, sur ces 8 dernières minutes. Le pingouin à la Sterne qui essaye de remobiliser le public dans les tribunes. Allez, on est reparti avec Hugo Suard. Le play pour Mathieu Robin. On va chercher Pat Bey. Sûrement Jamar là sur l'ouverture. Non, on ne le trouve pas. On va trouver Hugo Suard à 3 points. La feinte dans le petit périmètre. Pat Bey, 6 secondes. Kevin. Hugo, c'est trop court. Et Mathieu, allez. Oui, ah, Mathieu, le bon rebond de Mathieu Robin. Jamar. Non, c'est trop court. Ça tourne autour. Allez, le ballon est toujours l'orienté. Mathieu Robin maintenant. Voilà, enfin Mathieu Robin. Et Mathieu. Aïe. Ah ouais. là, Mathieu Robin qui s'est fait mal. Mathieu qui se tient le genou droit. Aïe, pas ça. Alors, j'espère que c'est que des crampes. On va le voir assez vite, hein, je pense. J'aurais le ralenti là. Ouais, c'est juste après son shoot. Ouais, c'est pas des crampes ça. Ça, c'est pas des crampes. Alors qu'on a le kiné qui est. Oh là là, quand ça veut pas, présent. Ça veut pas. Mathieu qui venait de mettre un gros tir, qui était présent au rebond. Ouais, ça peut la trouver. Ça peut la trouver. Il se relève. Non, ça part méchant. Ah non, il revient. C'est un guerrier, Mathieu. Quentin qui va faire son retour sûrement à la place de Mathieu, je pense, pour faire souffler un petit peu. Juste checker un peu ce bobo. Allez, alors qui a fait son retour lui aussi, qui était alors victime de petits bobos à la main. Un coup de glace et c'est reparti. Ouais, on va sûrement chercher Quentin. Quentin Allard dans le corner, on le trouve pas. Traoré. Non, pardon, Soulac. Excuse-moi. Allard qui se lève. Oh là 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 là. Quel gros tir. Il avait de la glace. Il a de la glace dans le sang, surtout. Ouais. Yanis. Ne m'appelez pas Nicolas Lang. Allard. Quel joueur. Très beau joueur. Abrahams qui retrouve Hugo Suard qui travaille avec Pat Bey. Mon désir. Ça passe. Et qui va chercher la faute. Qui aura deux lancers francs. 3 points d'avance pour le pôle. Ouais, là c'est. On est dans le doute. On n'est pas dans le dur, on est dans le doute. Yanis Allard qui a pris un coup de coude dans le nez de la part de Kevin Mondésir. Alors ça, je le souhaite à personne. Ah, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas ce soir Yanis Allard au niveau des bobos. Tandis entre la main de tout à l'heure, le nez de maintenant. C'est une soirée qu'il n'oubliera pas. Ça ne l'empêche pas de marquer des gros shoots à 3 points. Oh oui. Encore un joueur très talentueux. Hein. Et Mondésir qui met son premier. Allez, l'occasion de revenir à une unité. Bien c'est fait. Joué. Kevin qui assure ses lancers et Nolan Traoré qui remonte le ballon. Et on repasse en indiv, hein, en défense. On demande de la transition. On va faire un système spanish. Oh là voilà là. Pour... Bon po. Quoicou, le spanish. L'écran dans le dos du porteur d'écran. 2 points, 64-61. Très bien joué. Tableau noir du côté du Pôle France. Hugo qui répond. Oui, voilà. Qui répond. Abdoulaye ici sur le banc là qui essaye de d'arranquer ses joueurs. Nolan Traoré qui perfore la défense. Soulac. Bingo. 3 points. 63-67. Attention, l'écart est en train de se creuser. Plus 4. Attention le pôle là, s'ils font un stop, ça peut devenir très intéressant pour eux. Quant à Hank. Hugo Suarez, trouvez-moi pas de bail en dessous. Voilà, c'est fait. 5 secondes, Pape. 5 secondes. Mais oui, mais il est plus fort. Il est plus costaud. Oh. Ah, ça tourne autour. Diakité qui reprend le rebond d'Ef. Qui repart. Soula qui pose, qui temporise. Allard qui était tout seul à 3 points à 0 degré.
Nolan Traoré et qui provoque la faute de Pape Bey. Ça sera sa troisième. Ah, il est allé. Il est costaud, Nolan Traoré, hein, parce que là, il est allé au contact. Il a pris le camion Pape Bey de plein fouet. Ouais. Et il se relève tranquillement. Comme le coup de coude de Kevin Mondésir. Ouais, j'aimerais pas me manger un écran de Pape Bey. Hein. C'est ça, une sortie d'écran là, comme ça. Ouais, sortie d'écran, ouais. Ça doit réveiller quand même. Hein. 67-63. Et justement, c'est le. On en parlait tout à l'heure, le fils de cœur de primeur qui passe la balayette, qui passe la serpillière. Petit coucou à Sony. Et on repart. 67-63. Diakité dans le drive. Bien joué. Oh, allez, ils sont agressifs au rebond. Voilà. Mais on récupère le rebond d'elle. Allez, on est encore vivant. Morgan qui se retourne vers Mathieu Robin. Et Mathieu Robin qui va faire son retour. Mon désir et la faute qui provoque la faute de Soulac. Ce sera sa troisième. Boulefa qui retourne sur le terrain, est sorti de Diakité. Boulefa qui a 4 fautes, c'est pour ça qu'il était sorti tout à l'heure. Quentin Hanck qui cède sa place à Mathieu Robin. Ça a l'air pas trop grave du coup pour Mathieu. S'il revient sur le terrain, c'est que ça va. Allez, Abrahams. Et qui perd la balle. Ça se joue sur des petits détails. Ouais, hein, quand même. J'ai l'impression d'avoir dit souvent ça ce soir. Et qui perd la balle. J'ai l'impression que c'est une phrase que j'ai beaucoup dit ce soir. Trop dit. Beaucoup trop dit. Malheureusement. 24e ballon perdu. Et le Pôle France qui va repartir avec Allard. L'écran, la sortie d'écran sous l'ac, le Steiger pour Allard. Est-ce qu'on est encore sur le pic? On ne le trouve pas cette fois-ci. Boulefa qui trouve Traoré. 8 secondes, débrouille-toi mon grand, viens driver. Bien joué le petit tir. Oh là là, très propre, très propre. 69-63, plus 6 pour le Pôle France. Attention, attention. Une réaction est demandée tout de suite, immédiatement. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Mon désir qui vient driver Boulefa, qui a 4 fautes, qui ne peut pas défendre. Ouh. Oh, le gros tomard de Kevin, la guitare. Alors par contre, je vois Mathieu Robin qui est au sol. Ouais, je crois que c'est fini pour lui à mon avis. Alors on s'exclame. Pas mal de frustration pour lui. On s'exclame sur le dunk monstrueux de Kevin. Mais par contre, c'est vrai que là, on peut s'inquiéter par contre pour Mathieu Robin. C'est son genou. Hein. Là, il pourra pas tenir. Il va céder sa place à Claudien. J'ai l'impression que c'est le genou gauche là qui le gêne alors que c'était le droit tout à l'heure. Je me trompe pas, Vincent. Hein. Ouais, non, je crois pas. Je pense que c'est le gauche. Là, on va regarder sur le ralenti. Et ensuite, il va lâcher la balle. Regarde, on regarde ici. Bah non, il tombe tout seul. Hein, il en peut plus. Ouais. Il peut plus jouer. Ah, le kiné qui est en train de regarder ça avec là, lui. C'est fini pour lui ce soir. Malheureusement pour Mathieu. Un coup dur pour Morgan et son staff. Et le lancer franc. Kevin est sur les dommages. Et plus 4. Pour le Pôle France. Quel dunk quand même de Kevin. Vraiment un gros pétard. Hein. Bien joué Nolan Traoré qui s'arrête derrière la ligne à 3 points. Oh là 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 là, Nolan Traoré. Plus 7. Oh là là, quel deuxième mi-temps. Quel quatrième carton de Nolan Traoré. Messieurs, dames, notez ça sur vos carnets, sur vos agendas. Le 22 mars 2024, Nolan Traoré a fouillé le paquet de Carvajal. Je peux vous dire que ça, dans quelques années, ça vaudra de l'or. J'en suis persuadé. Et alors qu'il vient de faire sa deuxième faute, là, Nolan Traoré, faute sur Jamar, qui va aller au lancer. C'est moi qui disais qu'il était maladroit en première mi-temps. Nolan Traoré. Bien m'a fallu. Là, il vient de mettre 2 gros tirs, 19 points pour lui, 4 rebonds, 2 passes d'ess. 19 points aussi pour Diakité qui est sorti tout à l'heure. Ouais, il est sorti en plus là, il n'est pas sur le terrain. Et Jamar qui loupe son lancer franc. Au niveau des lancers francs, on est comment? On est à 15 sur 20. Donc c'est pas là que ça s'est joué, mais c'est vrai qu'on en lâche au mauvais moment.
Voilà. Allez. Yannis Allard qui repart. Allez, avec Traoré. Moins 6. Toujours ce système là qui nous fait beaucoup bouger, beaucoup travailler. On va trouver Boulefa à 3 points. C'est trop long. Et le rebond. Ouais. On n'y est pas au rebond. Non, on n'y est pas du tout. Ouais. Ils sont beaucoup plus actifs. Et ils cherchent une obligation de Nolan Traoré qui s'arrête. Le petit flotteur et 2 points. Et le temps mort de Morgan Belnou. 74 à 66. Quel passage. Quel passage de Nolan Traoré. 21 points pour lui. Oh là 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 là, quelle génération dorée, belle génération là du côté du Pôle France. Franchement, ils font un match exceptionnel. Ouais, ouais. Alors l'année dernière, on se rappelle qu'ils nous avaient fait la misère déjà. Ouais, avec le gros shoot d'Amel, ouais, qui nous avait sauvé à 2 secondes de la fin. Qu'on s'en est c'était sorti par la volonté divine. Mais là, c'est un niveau, pour moi, c'est un niveau au-dessus. Et si on en arrive à s'en sortir, ça sera peut-être un signe. Allez, le public est un peu groggy. Moins 8. C'est maintenant ou jamais. Sinon, on ne sera pas loin de dire que le couvercle sur la marmite ne sera pas loin d'être mis. Malheureusement, parce qu'on s'était dit, hein, sur cette deuxième phase, sur 8 matchs à jouer, sans se poser de questions, il fallait au moins en gagner 6, 7, ça serait très bien, 8 c'est idéal, mais au moins en gagner 6, là on serait déjà à 3 défaites. On serait mal embarqué, sans se mentir. Eh oui. Allez, à nous de réagir. Allez, Hugo Suard, Radula. C'est pas fini, allez les gars. Non, bien évidemment, il reste 3 minutes et 40 secondes à jouer. Suard qui est rejeté très loin, bonne défense, Abdoulaye, allez mon grand, ça tourne autour, et le rebond pour Nolan Traoré. Nolan Traoré avec Claudien sur son paletot, voilà, toujours ce même système, on va chercher le curl de Yannis Allard, et ensuite une sortie d'écran, il reste 4 secondes. Ou le step back. Soulac avec la planche. Il aurait fait très mal celui-là. Celui-là, il aurait piqué. On est encore en vie. Allez, trouvez-moi des solutions en dessous là. On est rejeté très loin. Abrams. À 3 points. Oh, ça rend. Ça tourne et ça rend. Allez, 5 points d'écart. Le point rageur de Jamar. Et le point rageur de Thomas Leroux. Et de Fred Tello. Thomas qui demande au banc de. D'encourager. Allez messieurs, c'est maintenant. L'avenir du club se joue entre vos mains. Oh ouais. Ah, est-ce qu'il va rendre l'appareil? Est-ce qu'il va rendre l'appareil? Il va le jouer. Est-ce qu'il va rendre l'appareil? Non, il rend pas l'appareil. Oh, le rebond à Doula ici. Allez messieurs, lâchez-vous. On va transférer. On va jouer sur Kevin Mondésir. 15 secondes à jouer sur la possession. Kevin pour Abdou. Abdoulaye qui joue sur Allard. Jamar Abrams, ça tourne autour. Celui-là, il aura fait du bien. Celui-là, il aura fait du bien. Okay, et ouais, Christopher. Oui. Christopher, c'est chaud. C'est chaud dans cette fin de match. Et la faute de Claudien. Il avait le droit, parce que c'est que la deuxième collective. Ouais, c'est chaud, Christopher. Et ça sera la cinquième de Claudien. Claudien qui va être remplacé par Quentin. 5 points toujours d'avance pour. Ouais, là, il faut pas se le prendre. Il faut pas se le prendre. Non. On n'a pas le choix. Un stop, messieurs. Il faut rester à 2 possessions d'écart. 3, on serait mal parti. Et ça ferait mal à la tête. Et bien sûr, on va chercher Nolan Traoré. Ouais, avec un pic de Boulefa, le Spanish. On ressort Boulefa à 3 points. Oh, 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 ça fait mal, Maël. Ça fait mal. Celui-là, il fait très mal. Ouais. Celui-là, 8. Il fait très mal. Parce que c'était parfait. Allez, et c'était très bien exécuté. Et le contre de Kwaku Ege. Très très belle exécution sur la touche côté là, sur le play d'avant. On a trouvé Boulefa qui n'en avait pas beaucoup vu en première mi-temps et qui confirme ce qu'on disait en première mi-temps, que c'était un gros joueur. Et là, il met le gros tir. Allez, Mondésir.
Quentin Hank. Allez, on va chercher la sortie d'écran. Le Mondésir à deux points. C'est trop long. Airball. Et le rebond de Diakité. 1 minute et 27 secondes à jouer. Nolan Traoré qui va provoquer la faute volontaire d'Abdoulaye Sy. Alors là, moins 8, 1 minute 21. Mal, il faut nous appeler, les dieux grecs pour revenir dans la partie. On va appeler Tracy McGrady, pour ceux qui ont la référence. C'est ça, McGrady. Allez, mais ne nous appelez pas Nolan Traoré pour nous mettre un gros tir. Qui va aller jouer Mondésir sur du 1 contre 1. Ouais, il va se le monter. Il va se le monter dans le petit périmètre. Non, il trouve Diakité en dessous. Rien à dire. Très belle passe. Oh très là bien là, joué. Quelle fin de match du Pôle France. Moins 10. Mondésir en dessous. Ça tourne autour. C'est raté. Moins d'une minute à jouer. Maël. Ouais, 10 points. Ça s'annonce. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Diakité qui va driver. Et qui transperce la défense. Ouais. Plus 12, c'est fini. Voilà. Ouh, Diakité qui s'est fait mal. Ah, malheureusement pour lui. Ah, il ne mérite pas parce qu'il a fait vraiment. Il a été vraiment très très bon. J'ai pas bien vu ce qu'il a fait. C'est la cuisse là. Il a l'air de se tenir la cuisse gauche. Beaucoup de bobos là quand même en cette fin de match. On va mettre Diakité. Ah bah c'est des crampes. C'est des crampes. Plus de peur que de mal. Ah ouais, il s'est mal réceptionné. Ouais. Grand, mais c'est vrai que il a fait un très très gros match. Bernard Faure qui va se préoccuper de son jeune pouce avec coach Kébé. Et Diakité qui se relève. Diakité, c'est le moment de faire un petit focus sur lui. Hein, il le mérite. Et qui est applaudi par Karvarik. Diakité, c'est 23 points ce soir. 27 déval, 7 rebonds, une passe d'ess, 3 ballons perdus. En parlant de ballons perdus, le Stade Lorient est à 24 ballons perdus. Le Pôle France, 9 simplement. 15 ballons perdus de différence. Il n'y a rien à dire. La discipline était du côté pauliste, tandis que mon fils traverse le terrain. Allez, Hugo, 2 points pour lui, qui ramène l'écart à 10 points, 71-81. Est-ce qu'on va faire faute? Non, on va même pas faire faute. On va aller laisser courir le temps. Si, si, Abdoulaye, frustré, qui s'excuse. Ouais, je sens ton soupir, Maël. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal, ça fait mal. Franchement, félicitations à l'équipe du Pôle France. Ah oui, franchement, là, ils nous ont montré de très très belles choses en termes de discipline, en termes de rigueur. Une génération dorée, comme tu le disais tout à l'heure, Vincent. Je sais pas si c'est une génération dorée, mais en tout cas, c'est vraiment, ils ont montré un match. Ils ont fait un vrai, vrai bon match. Même à moins 10, ils n'ont pas baissé la tête. Ils ont continué à jouer. Ils sont revenus plus conquérants deuxième mi-temps. Et ils vont logiquement remporter ce game. Même si là, Hugo Suard marque 3 points. Et qu'il y aura un temps mort demandé par coach Kébé. Parce que on est dans la formation côté Pôle France. On ne veut pas se relâcher. Et là, ça ne va pas plaire au coach. C'est logique. Il y a du relâchement. Et j'ai peur que ce soit un petit peu trop tard. Trop tard. Alors que un petit coucou à nos joueurs de la R2 qui regardent. Je vois une petite photo qui passe. Une petite photo qui sont en train de regarder le match du côté de la salle Brisset. La salle Brisset qui a trouvé une seconde jeunesse et qui est maintenant ouverte au public. Et là, R2 qui reste sur un franc succès contre Château-Giron le week-end dernier au buzzer. Et qui regarde ce match sur le petit ordinateur de Fabien Schmitt, le coach. Donc, si vous nous regardez, on vous passe le bonjour, mes chers coéquipiers, mes chers joueurs, mon cher coach. Une petite pensée aussi à la PNF.
Ouais, la PNF, PNF, ouais, tant qu'on y est, avant qu'on se quitte, la PNF, hein, ce dimanche, si vous ne savez pas quoi faire, du côté, alors je dirais même, si vous ne savez pas quoi faire dimanche après-midi, grosse après-midi de basket, c'est qu'à 15h30, les U18 reçoivent le camp BC en championnat de France, et à 17h30, la PNF a peut-être son destin entre les mains pour monter en National 3 en cas de succès. Dimanche après-midi, les joueuses de Fred Tello pourraient valider leur strapontin pour l'étage supérieur. Donc venez nombreux à Kervarik dimanche après-midi pour passer un bon moment de basket. N'hésitez pas. Kevin Mondésir qui fait sa cinquième faute, qui sort et est remplacé par Ousmane Gueye. Sans beaucoup de frustration. Ouais, beaucoup de désappointement, de déception, de frustration, de colère, je pense aussi. Ouais, surtout. Ah ouais, là, avec cette défaite, à part un miracle, malheureusement, ça sera très compliqué d'aller chercher les trois premières places de cette poule pour se maintenir. Ouais. Et c'est tout un club, tout un staff, toute une famille qui est peinée ce soir avec cette défaite. Cette défaite, 74-82, un tir d'Hugo Suard à 3 points, trop long. Ça vient sceller, je pense. Oui, là ils vont pas faire faute, 8 points d'écart. Non. C'est très décevant, ça fait mal. Maël, on aurait voulu un autre scénario ce soir, mais ouais, tout le mérite tout revient au Pôle Espoir, au Pôle France, qui mérite largement cette victoire, 82-74. C'est dur du côté de Kervarik. Ça nous fait mal au cœur là, cette défaite. Mais il n'y a pas grand chose à dire de plus que bravo le Pôle France. Bravo Pôle France. Bravo les jeunes du Pôle France. On se retrouve, Maël, dans 15 jours, il me semble, ou 3 semaines, le 12 avril. Tout à fait, pour la réception de Feur. De Feur. Voilà, une revanche à prendre. On espère d'ici là qu'on sera allé gagner à Lyonceau. Il n'y a plus le choix maintenant, hein, Vincent, il n'y a plus le choix. Qu'on sera allé faire un résultat à Besançon. Voilà, il nous reste 5 matchs pour montrer un autre visage et aller chercher des victoires. Le CEP en a besoin. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée. Et merci pour votre soutien. Ouais, merci Ronan. Merci Ronan. Ronan Stéphane. Merci Merzine. Merci Gigi Wiss. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis à très vite sur notre chaîne YouTube. Et on lâche rien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.